Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Les sanctions infligées à la Guinée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continuent de susciter des réactions. Les avis sont presque les mêmes au sein de la classe politique. Elles feront très mal au pays si toutefois des solutions ne sont pas rapidement trouvées, estime-t-on. Les sanctions feront mal à la Guinée, surtout au peuple, si un point d'inflexion n'est pas rapidement trouvé et de bonne foi. Je ne sais pas quel est le volume des investissements de la BIDC, mais au-delà, les FINEX, financement extérieur, pourraient être affectés ainsi que de diverses contributions des ambassades et des missions d'appui, a indiqué Mohamed Cissé, porte-parole du PEDN, parti dirigé par Lassana Kouyaté. Même son de cloche au RPG à Canciel, où l'on estime que les sanctions sont mauvaises pour la Guinée, les sanctions sont mauvaises pour notre pays, notre économie. Les conséquences se feront sentir sur la vie des pauvres citoyens, dont nous devons tout faire pour mettre nos différends de côté et conjuguons nos efforts pour une transition apaisée, suggère Sekou Magazumba du RPG à Canciel. Réunis en sommet extraordinaire à New York, ils ont décidé d'imposer à la Guinée des sanctions diplomatiques, économiques et financières. Au niveau diplomatique, l'organisation a décidé de rappeler pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leurs ambassades accréditées auprès de la Guinée. Au plan économique, la CEDEAO suspend toute assistance et transaction financière en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonnés et sur ce côté à la chaîne. Partagez avec vos amis, familles et connaissances pour la trouver intéressante. À très bientôt.